Et tu vas pouvoir switcher. Là, ils sont pas. Le combat vient d'être lancé. Ulette contre Licrunch. Ils ont pas allez. Compris. C'est pas dans le chat qu'il faut mettre la réponse. C'est sur le lien que je vous ai donné. Sur c'est le sur forum. Le lien, c'est sur le forum. C'est un poste que vous soyez inscrit, hein, bien entendu. Bah, on avait déjà prévu plusieurs fois. Allez, Tutu, on va le. Alors, je répète que je veux X sur 10. Donc, X qui est la note qu'elle a eue. J'ai déjà des réponses. On a déjà le gagnant, j'ai l'impression. Tutu, est-ce que tu as switché? Oui, tout à fait, c'est bon, là j'ai tout changé, les titres, c'est magnifique. Allez, hop, alors que c'est indécis quand même, il y a des 8, il y a des 7, j'ai l'impression que les gens sont un peu indécis. Bah, on va dire le vainqueur tout à l'heure, quand même. Oui. On est quand même au match, le Srap du LED vient de jouer, Dédé Amande, bah, il a bien fait vu que son équipe pas l'initiative. C'est donc Strox, le Srap du LED qui va être Strigid Coiffe Lourd qui a préparé les pièges mortels. Il 80 sur 10, ah pas mal. Il aura opposé son homologue Srap juste derrière Terroriste, le Srap de Licrunch qui était lui aussi et qui met déjà les pieds sur un piège mortel de son adversaire. Terre en brousse probablement. Brousse, voire peut-être un anneau Fuji. Ça pourrait tenir là, je crois. Peut-être pas trop bien FM. Après, on a Restline, le Sadida du Let. Ah, c'est du. Ouais, Cableta aussi, toujours en style. Bon, la Strigide partout, ça fait pas beaucoup de tacles et de fuites. Bah, ça fait du tacle, mais pas beaucoup de fuites là. Pour un Sadina, ça peut être gênant. Et allez, hop, des barres classiques surpuissantes, gonflables, avec un peu de rat PM. Ral PM sur notre adversaire qui joue juste après. KB Virus, les K-Flipettes de Licrunch. Là, par contre, côté stuff, qui sait, le pourrait bien avoir, elle. Sinon, je te coupe 2 minutes. Oui, victoire de Nomecop 3-0 en 10 tours contre Viv Smith. T'es sérieux? Et apparemment, il y a eu un problème de déconnexion d'un des joueurs. On parle tout de suite de DDoS, mais on n'en sait rien. Il y a eu un problème de déconnexion. Non, stop sur DDoS, ça devient ridicule ce boulot qui revient sur Instagram. Oui, journée. Voilà, c'est le mot star du Ghoul Terminator. Bon, enfin, il y a eu un problème de déconnexion apparemment, et c'est pour ça que Nomecop a gagné contre Viv Smith. Mais j'en sais pas plus. Allez, je termine sur le quiz. On a un gagnant. C'était bien 7 sur 10 qu'il fallait noter hein, en réponse. Et c'est Lexic 10 justement qui remporte ce mug. Tu seras contacté hein, durant le Terminator sur ta boîte à MP Crépuscule d'Opaline pour qu'on puisse prendre tes infos. Et ouais, mais elle a gagné le boss de Bowie d'ailleurs, je crois. Regardez, voilà. Ouais, c'est ça, Bowie. Par contre, ils sont tous en Strigide du côté du LED, j'ai l'impression. Ah non, pas le Rosa. Le Kraoui, évidemment, il est en Strigide aussi, il a chargé ses doubles flèches. Le Pandawa de Licrunch. Attends, il ressemble à. Eh, je vais aller me coucher, moi. Je vais t'aider. Et le Pandawa de Licrunch, où est-ce qu'il est? Ce Pandawa de Licrunch. Un Zampachi, Cabletaline, et à côté. Déjà, il y a une Cabletaline et 20 fixeterres, je trouve ça plus que bizarre. Ça ressemble à de la brousse aussi à côté, mais je sais pas, ça a l'air d'être un panda terre avec seulement 19 de tacle et seulement 0%. Ça a l'air d'être un panda water à la béchasse, mais à prendre avec des pincettes quand même. Et un peu l'Osamodasu du LED ISS, Osamodasu, très bonne résistance de la part de cet osa. Beaucoup de fixes terre, ouais, on a peur des terres enfin, donc cependant qui a l'air d'être terre, quand même, on me dit que ça rebug. Attends, non, y a pas de bug. Ah. Tu vérifies, Master? Nous faites pas des frayeurs. Je regarde et non, ça bug pas chez moi. Non, ça fonctionne. Vous me faites peur là, les viewers. Bah oui, ouais, c'est la faute à Tutu. Peut-être, je suis certain, mais je sais d'autres, ça fonctionne parfaitement. Non, c'est bon, c'est redevenu normal. Ouf, on a fait peur. Et du coup, le dernier joueur de Licrunch, ça sera Lenny Ripsa Isildur. Ouais, c'est du séculaire bug éternel qu'on a l'habitude d'en voir. Ils me font des frayeurs là ce soir. Allez, autour de Strox. Ce Strox là, il va quand même avoir une belle zone pour poser ses pièges. Ouh, et un piège de masse, ça va continuer à frapper. Piège de masse mortel. Voilà, côté Ulen, il va falloir quand même essayer d'aller claquer un peu d'érosion sur les adversaires en face avant de tuer, puisqu'il y a quand même les soins de Lady Ripsa. Il y a Paul au fond qui dit MP Bowie Jiva, ça bug dans les deux équipes et pas qu'un peu. On est à 3 déconnexions depuis le début du combat. Oui, je suis en train de suivre le combat et ça bug sévère. Hein. C'est pas mal. Alors, je pense que c'est lié à Twitch. Hein. Pour ceux qui bug, réactualisez la page. Réactualisez la page, ouais. C'est... Ce soir, Twitch nous fait des siennes, j'ai l'impression.
Attends, je vais leur dire à l'écrit. Oh, mais c'est pas grave. Oui, c'est grave qu'il y ait des conneries comme ça, mais... Pff, je sais pas, on va bien voir. Mais ça vient pas de nous, en tout cas, là. Tutu, elle tient bon. J'essaie, chez moi ça marche, mais s'il faut, ben, on coupera. Ah non, mais moi, Attends, j'ai réécouté. Alors, il y a Zay qui nous dit de refresh la page, alors faites un petit F5, ça débug apparemment. Je sais pas, moi je m'écoute, je m'entends bien aussi, il n'y a pas de coupure. Un petit refresh. Ça bug pas, donc ça vient pas de chez nous, il faut que vous actualisiez. F5 pour actualiser. Actualisez votre page, ouais, ça résout le problème. C'est Twitch ce soir qui nous fait des siennes. Alors on va quand même retourner au combat parce qu'on a raté quand même quelques tours là. Et allez, un double écaflip suivi d'une roulette. Tout et ouais, oulala, les piles ou face. On en veut au SRAM dulette. Et une nouvelle roulette. Voilà deux roulettes, une roulette moins 50 fuites et une roulette chance. Ouais, quelques petits pile ou face, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Et là, ouais, Likun, s'ils veulent gagner, ils doivent rush de toute façon. Ils doivent rush pour espérer emporter la victoire. Allez, un doppel qui est... Ah mais non, mais j'ai un retard. Ah non, d'accord. On est autour du crack, excusez-moi. je regardais sur le stream en fait, et je me suis dit, attends, j'ai un peu de retard. Oui, par contre, une petite zone flèche explosive exploitée par Tigre Armé, bah ouais, elle est bien prise cette zone, et surtout vu que l'Enerifsa de Lycrunch a lancé sa stimu, il a de l'érosion. Allez, un petit picole des buffs de la part de Sampachi pour lui retirer le malus PO de l'œil de top. Alors, le tonneau, il ne peut attirer personne pour le moment. Et une stabilisation qui est lancée. Pourquoi cette stab? Ah d'accord, il va foncer au pendant cul pour essayer d'attraper quelqu'un. Alors, toujours des bugs apparemment, d'après certains. Je comprends vraiment pas pourquoi. Et putain, Wissau qui dit que ça bug. Mais c'est quoi cette soirée pourrite là avec Twitch là? Putain. Ouais, ça bug. Si on savait d'où vient le souci, c'est que... Le problème, c'est qu'on sait pas du tout d'où vient le souci. On pense vraiment que c'est Twitch, parce que de notre côté, il y a aucun problème. Bah, vas-y, je te laisse suivre, Master, le match, et je vais essayer de voir avec Tutu. Ok, ouais, mais chez certains, ça bug pas. C'est gênant, là. Ça va venir de leur connexion, peut-être. Ouais, mais pas... il y a quand même pas mal de monde. Suku qui me dit en MP que ça déconne pas chez lui. On va quand même l'Osamodas du Hatton. On va quand même resuivre le cours du combat. Il commence à booster. Il a boosté son SRAM. Il a fait une petite libération pour mettre son crapaud à l'abri. Et voilà, l'Enerifsa de Lycrunch. Voilà, il soigne toujours. Mais on va falloir foncer un peu parce que sinon, Lycrunch, s'ils veulent emporter avec genre, il va falloir foncer. Ouh, on met les pieds dans le plat avec ce piège mortel. Et du soin sur KB Virus. Ouais, je sais pas, Ulette n'a pas l'air de vouloir rentrer dans l'art dans ce combat. Ils vont laisser tranquillement les flèches de Tigre Armé se charger. Oh, ouais, mais attends, je vais quand même essayer de suivre. Je vais laisser les autres gérer ça. Autour de Strox qui va probablement peur le Wasta et venir faire un petit quelque chose. Voilà, peur d'une petite case. Il a pas mal de PM. Il peut choper personne là sans vraiment trop s'exposer. Et il y a Maître Diffou qui lui aussi s'arrête pas de couper chez lui. Oh punaise, non, c'est Twitch qui fait des siennes, c'est indépendant. Oui, désolé, on fait ce qu'on peut, on regarde. Vas-y, Master, commente. Ouais, vas-y, je continue. Et là, pas un chauffeur fou pour gêner le panda Wasta. Ça, c'est bien joué de la part du Strap du Lett. Par contre, il reste caché. Ouais, attitude attentiste pour le moment par Ulette qui continue à spammer ses pièges mortels. Oula, pardon. J'ai misclic, misclic, fermé le micro. Je me disais que ça avait bugué. J'espère que ça bug à ce moment-là, non. Non, faut pas que ça bug, faut que ça arrête, là. Faut que ça arrête. C'est que par hasard, ça bug chez 1000 personnes en même temps, et ça marche chez 700 personnes, mais... Je sais pas d'où ça déconne. On a tout check, on a aucune perte de frame ni rien de notre côté, donc ça peut que venir du serveur Twitch, hein. Je vois pas autre chose. Ou de votre opérateur, ça peut aussi venir. Ouais, mais non, il y a tellement de monde qui bug. C'est pour moi, en plus, on a baissé la qualité.
Je sais pas, bon, ouais, on va essayer comme ça, ouais. Oh là là, ça, non, mais je suis dépité de voir des bugs comme ça, punaise. Elzéphine, est-ce que du côté Elzéphine Mani, c'est fini quand même, Freeman? Moi, je suis sur Bovis, là. Attends. Oui, moi aussi. Et hop, le la sadinette du LED qui rejoue, qui va encore faire un peu de Sparavox, c'est autour de Kamevirus. Ça va probablement se rapprocher, là. Oui, la maîtrise qui est chargée, Kamevirus qui va probablement tenter quelque chose. Et allez, hop. Ouh, l'arc, ou un tout petit coup d'arc ou tentag là, malgré la roue de la fortune. Ouh là là, je suis pas du vraiment côté... fan de ce corps à corps. Vas-y, Freeman. Du côté Ulette Mani, ça va bientôt se terminer, puisqu'il ne reste qu'un seul joueur du côté de Mani. C'est pas Ulette Mani, pardon, quand même. C'est. Puisque Mani, Elzéphine Mani. Ça va bientôt se terminer, oui, il ne reste que la fée 4 de Mani. Qui va bientôt mourir, je pense, qui est à 1100 points de vie. Il y a Godlike qui vous dit hier il y avait la même problème sur un autre stream et c'est une mise à jour qui est en train de se mettre en. Ouais, apparemment il y a plusieurs streams qui ont eu des problèmes hier. Ah, c'est sur nous ce soir, malheureusement, on s'en excuse, ce n'est pas notre faute. Et Tigre Armé, voilà, on tableau à ça. Et Bowis, on demande des infos sur Bowis Freeman, mais avec les lags, qu'est-ce que ça donne? Ben là c'est plutôt pour Zem, puisque j'ai dû quitter le combat pour aller voir ça. Oui, donc moi je suis en train de regarder. Niveau lag, ça s'est un peu arrêté, même voire totalement, hein. Et Bowis a l'avantage, ils ont bien descendu la roublard de Jiva. Mais bon, il y a un Osamodas dans l'équipe de Jiva, donc on est autour 3, on va attendre de voir ce que ça fait. Et voilà, Lee Crunch qui passe enfin à l'offensive. Les crues qui passent à l'offensive, toujours une KO pour se protéger. C'est à l'Osamodas, Tulette, à l'Osamodas, quand même, qui a toujours pas invoqué de créa sur les deux premiers tours. Alors on continue à protéger son Strava, ouais, son Strava a quand même pris pas mal de dégâts depuis tout à l'heure. On te demande à Maïro, c'est plus tard ça ce soir. Et l'archétype qui est sorti, ouais, un archétype pour soigner son Strava, bon coup d'archétype. Ça ne se le refoule pas, mais c'est quand même un geste sympathique, un petit Depp félin. Oulala, ouais, Ulette qui joue vraiment sur la défensive pour le moment. Est-ce que ça va payer? C'est pas sûr. Bon, apparemment, ça lag encore. Alors, ce que je propose, c'est que tu relances juste rapidement le stream, voir ce que ça donne. T'as juste à cliquer deux fois et on va voir ce que ça donne, si ça rafraîchit tout ça. D'accord. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.